Dieu soit loué. Aujourd'hui, on démarre un nouveau thème. L'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Le roi de rois dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à l'agneau de Dieu. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Oh, 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 oh. Balaam, je voudrais simplement parler de l'homme Balaam. Parler de sa nature. Parler de ce qu'il est. Il y a plusieurs personnes qui ont de points communs avec Balaam. C'est un esprit qui te conduit à tant de mauvaises choses. Et au travers de ces enseignements, je vais essayer de t'expliquer en détail les choses à éviter, les choses à fuir, enfin d'être une personne éloignée de l'esprit de Balaam. Plusieurs peut-être ne connaissent pas Balaam. Balaam est dans la Bible. Balaam était un devin. Voilà. Mbikudi. Il était un Mbikudi, Balaam. La Bible parle de lui dans le livre de Nombres. De ce qu'il était. Josué, par exemple. Josué, chapitre 13, verset 22. Josué. Josué, chapitre 13, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par l'épée les devins. Les devins Balaam, fils de Béor. La Bible précise que c'était un devin.
Donc c'était une personne qui voyait, qui pouvait prédire l'avenir. Il pouvait te regarder et te parler de ta vie. Mais cela ne venait pas de Dieu. Balaam avait plusieurs dieux. Il croyait en plusieurs dieux. Il croyait même en notre Dieu. Parce qu'à un moment dans la Bible, il dit l'Éternel mon Dieu. Mais il ne croyait pas en un seul Dieu. C'est ça la précision qu'il faudrait comprendre. Balaam croyait en Dieu. Mais il croyait en plusieurs dieux. Il pouvait invoquer plusieurs dieux par rapport aux circonstances. Alors, c'est comme ça que Balaam, par la puissance de ses dieux, il pouvait maudire quelqu'un. Vous comprenez? Il pouvait maudire quelqu'un. Parce qu'il y avait deux dieux derrière lui. Lorsque Balak, un roi, il a vu les enfants d'Israël en train de prospérer. Les enfants d'Israël en train d'avancer. Il y eut peur. Il a dit, ce peuple, j'ai déjà entendu parler d'eux. Partout où ils passent, ils réussissent toujours. Quand ils passent, ils arrivent à conquérir. Quand ils passent, ils arrivent à faire tomber. Alors, dans la lire où vont les choses, sûrement je suis le prochain sur la liste. Ils vont aussi me faire tomber. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Parce que si je prends mon armée et que nous allons combattre contre Israël, Israël sera victorieux. Parce que c'est leur Dieu qui combat pour eux. Balak s'est dit dans son cœur, alors, pour vaincre Israël, je dois trouver quelqu'un qui est en alliance avec de Dieu. Alors, c'est comme ça que Balak, le roi Balak est allé chercher le divin Balaam. Il y en a qui disent prophète Balaam. Balaam n'était pas un prophète de Dieu, c'était un Mbikoudi simplement. Le roi Balak est allé chercher le devin Balaam pour qu'il puisse maudire Israël, enfin que Israël ne soit plus en mesure d'avancer. Alors c'est là que Balaam s'est levé pour aller maudire le peuple de Dieu. Et c'est de toutes ces choses que nous allons parler. Qui était Balaam? C'était quoi sa nature? Et aujourd'hui dans l'église de mon pays, dans nos familles, nous avons de Balaam. De Balaam. Les hommes qui sont là pour faire du mal. Ils utilisent leur pouvoir pour détruire. Balaam. Je vais m'intéresser à sa nature. Enfin que tu comprennes. Comment sans le savoir, parfois tu es un Balaam. Et comment faire pour éviter d'être un Balaam pour ton frère? Le livre de Nombres. Mokanda yamituya. Nombres chapitre 22. Nombres chapitre 22.
Je le commence à partir du verset 21. Lorsque le roi Balak est allé chercher Balaam. Balaam parle. À partir du verset 21, nous allons descendre. Balaam dit, la Bible dit, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre les murs. Anguruti l'ikoloyaya. Ya Balaam, na mur. Tout ça, c'était des signes. Qu'est-ce que la Bible dit? Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Balaam se fâche. Et il frappa l'ânesse avec un bâton. Il commence à frapper l'ânesse. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Vous entendez ça? L'ânesse parle. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je t'ai tiré à l'instant même. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse? Est-ce qu'il y en a pour d'anote? Que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène, où ça? À la perdition. On peut s'arrêter là. Regardez Balaam. Otala Balaam. My God. Je suis en train d'entendre la voix de Dieu. Oh Seigneur. Kolo. Oh Seigneur. Kolo. Vous voyez, l'Éternel ouvre d'abord les yeux de l'ânesse. Qu'est-ce qu'il fait? Balaam commence à frapper. Il frappe l'ânesse. Pour une seule raison, donnez-moi le volume. Pour une seule raison, il ne voyait pas.
C'est que l'église du Congo, oyo église ya Congo, doit comprendre dans le domaine de la révélation. Oyo sengi eso solo na oyo tali moniseli. Dieu Zambe peut ouvrir les yeux de quelqu'un. Ako fungola miso ya moto moko. Et il laisse tes yeux fermés. Pe atiki miso na okangama. Pendant un long moment. Natango moko mulayi penza. Les choses que Dieu révèle à l'autre, il ne te révélera pas forcément aujourd'hui. Le Congo veut des révélations collectives. Ce qui nous a malaxé, le Seigneur peut ouvrir les yeux de quelqu'un aujourd'hui, il ouvre tes yeux à toi après 5 ans. Mais ce qui est vrai, nous réagissons tous comme Balaam. Si Dieu fait avec l'autre, il ne fait pas encore avec toi, tu frappes la nesse, tu critiques, tu injuries, tu crées des émissions, tu parles. Attends, c'est là le tour de ta révélation. Tout na yo zoya et mon essai na yo. C'est pourquoi enfant de Bethel. Netina wana moi na Bethel. Moi ton pasteur, je te dis. Nga mo bateli no na ebisio. Lorsque tu vois l'autre tango moni mo sou faire ces choses. O sala makambo yo. Ne critique pas. Kotonga te. Tu vois? Moni. Peut-être ce que Dieu a demandé à l'autre de faire aujourd'hui, il va nous demander de le faire après 3 ans. Tu vois, il y a des gens comme ça qui nous ont injuriés, nous autres. Quand on est devenu pasteur. Pasteur. Il y a même un qui a dit, un fils biologique ne peut pas être en même temps un fils spirituel. On a tellement parlé. Mais aujourd'hui, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Vous voyez, ce que eux ont critiqué, ils le font maintenant plus que nous. Yopé. Pourquoi qu'on rêvait ça? Tu vois? Donc ça veut dire, Dieu peut ouvrir les yeux de la nesse et toi, Balaam, il ferme encore tes yeux. Une fois que tu commences seulement à critiquer ce que tu ne comprends pas, quand nous on avait des problèmes dans notre communauté ici, il y a des pasteurs qui nous injuriaient. Il y a même un qui a dit, alobaki, Nzambazaki na limité à loin na limité. Nzambazaki na limité à loin. On a église na biso zokaoka. Vraiment. Tu vois? Après un temps, na sima mwa temps, dans leur communauté, na communauté na bango pe, ils ont commencé à connaître les mêmes problèmes. Babandi kobika makamu ndenge moko koleka kutu na biso. Ils avaient même pris des gens qui nous créaient des problèmes, bapesi bango espace na chaîne na bango, pour bafinga ka biso. On suivait ça. Et quand eux-mêmes ont commencé à avoir le même problème, ils se sont corrigés. Et si voilà, ils se sont corrigés. Ils se sont corrigés. Tu vois, l'homme change. L'homme qui est à tes côtés peut changer. Lorsque tu vois l'autre là, la maison brûlée, ce que tu dois te dire, ce n'est pas Aza Pridante Aziki Sindaku. Ce que tu dois plutôt te dire, c'est le feu est dangereux. Yes, Milobela Bongo. Tu vois, c'est comme ça. Mais au Congo, quand tu ne comprends pas, tu injuries.
Oh. Attends. C'est là que Dieu te révèle. Nzambe atali sa yo pe. Chaque fois que l'église période traverse une période de crise dans un pays, les hommes spirituels, ils passent pas à la télé. Il va dans la retraite. Il dit à Dieu, Seigneur, comme Pierre, si c'est toi, donne-moi un signe. C'est comme ça que tu dois être. Un jour, tu deviendras pasteur. Moi aussi, je deviendrai vieux. Le jour où Dieu te lève, chaque fois que tu vois une chose que tu ne comprends pas, fais comme Pierre. Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe. Tu comprends? La révélation n'est pas collective. La révélation est personnelle. Ce que Dieu révèle à ton voisin aujourd'hui, il te le révélera après 10 ans. La bouche qui parle beaucoup pêche beaucoup. Ne sois pas pressé dans les critiques. Pardon. J'entre dans ma prédication. Le Seigneur voulait que je dise ça, je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas prévu ça. Première chose. Balaam est une personne capable d'oublier tous les bienfaits lorsque un vent souffle. Lorsque un vent souffle, il est capable d'oublier tous les biens que tu lui as fait dans la vie. C'est ça Balaam. L'ânesse est en train de pleurer. L'ânesse dit, ah papa, je suis avec toi depuis des années. Est-ce que tu m'as déjà vu te créer de problèmes depuis que tu as commencé à m'utiliser? Balaam dit non. Balaam dit. Oui. Et l'ânesse dit. Mais pourquoi seulement aujourd'hui? Tu ne cherches même pas à connaître la raison de ma faute. Tu ne cherches même pas à connaître pourquoi j'ai agi ainsi. Tout ce que tu fais, c'est me frapper. Il y a des gens comme ça. Vous pouvez être avec cette personne pendant des années, pendant un long moment. Le jour où un petit vent souffle dans votre relation, il oublie tous les biens que tu lui as fait. Naina tuna question, mon habité soit comme solo. Tolukamwe to katango na ba image. Question O. Il paraît que ton mobutu a belli. Bobi la dawatu ni mobutu papa. Est-ce que c'est vrai? Yom toye bakama solo. C'est un solo. Il paraît que Bobila Dara demandé ça. Maréchal, quoi comme il s'en maréchal. Bobila Dara. Alors tout le maréchal au Selangani Navi. Vous entendez ça? Oui, au Kamo. C'est pas possible. Vraiment. Bobila Dawa. Bobila. Il y a des gens comme ça. Il y en a battu bongo. Moindre vent. Moi, mon pépé kamoke. Il oublie tout. Abosaninos. Il oublie tout le bien que tu lui as fait dans Abosani la vie. Tout le bien. Babola mounios. À l'époque, quand j'étais musicien, il y a un pasteur qui m'invitait souvent dans son église. J'allais chanter à l'époque. Alors, un jour, notre véhicule a connu un problème. Deux fois même, on arrivait dans cette église, la culte, dans le bandit, et un chief. Et un jour, notre véhicule a connu un problème. Au niveau de Sendoué.
R ekoki babandi ko benga biso bozawa Pierre na bino ko yembe koki. On a laissé les véhicules. On a pris un taxi dans les embouteillages de 17h. On est arrivé légèrement en retard, quelques minutes avant que la prédication commence. Pasteur, on a salé la vie solitaire. Composant sur place. Ce qu'on va vendre ici, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous d'autres personnes. Vous voyez, Dieu l'a élevé. Il commence à venir en retard. Vous voyez, avant il était sérieux. Maintenant il est plus sérieux. Frère, réponds-toi. Chante. Bon maman. Au lit, Seigneur, est-ce que tu peux me donner, je ne sais pas, l'onction de Jésus pour monter dans les cieux. Ce pasteur-là pasteur a oublié ce que je suis. Il a oublié que deux fois je viens. Mais il avait tout oublié en un jour. En un jour, il a oublié à quel point je suis ponctuel, à quel point je suis sérieux, à quel point je respectais son église. Il a tout oublié. Il a fait une prédication de 45 minutes en train de me massacrer parce que j'étais venu en retard. Et puis, c'est ce jour-là que mon amour pour lui avait diminué. Il m'a invité, je ne partais plus. Je l'avais trouvé tellement méchant. Je me dis, si j'avais l'habitude d'agir comme ça, il pouvait me condamner. Mais chaque fois je suis en ordre. Une seule fois je suis venu en retard sans essayer de comprendre pourquoi cet homme qui agit bien aujourd'hui il agit mal. Il a commencé à me massacrer. Combien d'entre nous sont comme ça? Boni katina biso bazaboy. Comme Balaam. Le quoi Balaam? Nathan Bissako bien. Aujourd'hui seulement. Les lokaka. Tu cherches même pas à savoir pourquoi j'agis ainsi. Tu cherches pas à savoir pourquoi j'ai commis cette erreur. Pourquoi j'ai cette attitude. Peut-être à l'université j'ai échoué. Peut-être aujourd'hui quand je suis sorti les choses n'ont pas marché. Mais tu me maltraites sans connaître la raison de mon erreur. Tu t'en prends à moi avec beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont comme des Balaam. Il est capable de tout oublier à cause d'une petite phrase qui sort de ta bouche. Tu as seulement dit ce qu'il ne fallait pas. Et il a oublié toutes tes qualités. Tous les biens que tu lui as fait dans la vie. Et puis il commence à dire comme Bobby Ladao. C'est l'anganina. C'est l'anganini. Cette génération n'a pas besoin des hommes et de femmes comme ça. Chaque fois qu'il y a une faute, cherche à connaître la raison de cette faute. À moins que la personne soit habituée à agir comme ça. Ne sois pas le genre de personne qui oublie tout à cause d'une petite erreur. Il y a des gens comme ça. Tu vois tout ce que l'homme a fait pour lui. Il dit, Asaï Langani. Asaï Langani, Abosani. Asaï Langani. Asaï Langani. Oh Seigneur. J'ai tellement de choses à dire. Je n'ai pas besoin de ma caméra.
C'est ça l'esprit de Balaam. Ne wana molimo ya Balaam. Une personne qui n'est pas reconnaissante. Moto moko andimaka bolamu basala te. Tu oublies vite le bien de l'homme. Obosanaka mingi noki bolamu mosusu. Quand tu parles de quelqu'un, tangosolo banatina moto. Tu parles plus de ses erreurs. Olobelaka mingi natina bambeba na ye. Tu parles jamais de bien qu'il t'a fait. Yolobelaka bolamu ya salela ote. Les biens qu'il t'a fait, tu caches. Bolamu ya salela ozobombango. Tu reconnais les biens de l'homme qui est dans sa présence. Yo, oso sona kabola momosuka soka zawana. Loin de lui, mosika naye. Tu parles que de ses fautes. Olobaka ba mebanika mabe naye. Balaam, Balaam, madame Balaam, mama Balaam, papa Balaam, papa Balaam, 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 tu vas mourir. Okukufa. Balaam, Balaam, tu vas finir mal. Okosuka mabe. Balaam, Balaam. Lorsque tu ne reconnais pas le bienfait de quelqu'un, tu lui donnes pas la force de continuer. Tu comprends ça? L'encouragement donne à l'autre la force de continuer à faire le bien. Quand quelqu'un t'a fait du bien, apprends à le reconnaître. Apprends à l'accepter. Apprends à le dire tout haut. N'efface pas tout à cause d'une seule erreur. Tu effaces tout ce qu'il avait fait. Si on vous donne les raisons des divorces, ce qui m'a péché au bâtiment est à bout de bois, n'est pas là. Tu vas te dire, oh yo, ka oh, ka pour na oh vraiment, ka oh, eh, ka oh, ka oh. Le conscient il n'a pas tout, tu t'attaches à une petite chose comme ça. Au kangami na moi le roman mukier. Pourquoi les kachia y a le bien, les kain à gauche, na moi y a les kain à droite. Ah moi si ma bête, au moyen. Ayo kangati. My God. Tambe nangai. Des gens comme ça, bah toi bon, ne sois pas Balaam pour l'autre. Balaam, il oublie tout. Balaam a bossé na gagnons. Tu vas voir quelqu'un qui a été béni et élevé par l'Église. A pamboa maka a tombola maka na ecclesia. Mais le jour où il est élevé, kasi mokolo a tomba mi, il devient politicien. Il a commis mota politique. Bah Église, bah vingt tirés on a bah pasteur. A commis kaba français. Eh. Tant que bando ça na commis na obete la batuba carte pour citoyen. On a bando ya fou kama libo soit pasteur. Pasteur, pasteur, pasteur. Aujourd'hui il est élevé. Il oublie tout. Des gens qui oublient facilement le bienfait. Ne sois pas comme ça dans la vie. La Bible dit dans Colossiens, soyez reconnaissant. Sois reconnaissant dans la vie. Soyez reconnaissant. N'utilise pas le mal de quelqu'un. Une petite erreur et tu oublies tout le bien de l'homme. Ne sois pas comme ça. C'est ça l'esprit de Balaam. Il oublie tout. Maman Balaam. Maman Balaam. Tu oublies tout. Obosanaka nyonso, maman. Tout. Nyonso. Parce que cet homme-là a acheté à sa mère une chose. Pwete kara mobali na yo asomeli maman na ye mwa liputa. Elle a tout oublié. Obosanaka nyonso. Pour le 8 mars, Kendaki Aldarte. Oh my God. C'est tout, il a tout oublié. Abosaninos, il parle que le mal. Alobaka mabe. Arrête avec cet esprit-là. Tika molimo wana. Apprends à puiser dans tes souvenirs. Yekola kozona mabanzo na yo kotoka. Est-ce que dans les passés, na oye cet homme-là était bien? Moto na saki malamu. S'il a été bien, il peut encore être bien. Soka saki malamu. Donne-lui encore une chance. Pese suli baku. Donne-lui une chance. Mais ce n'est pas une personne qui oublie tout. Cosa te moto bosa na kanyonso. Tu oublies tout. Bosa na kanyonso. Tu oublies tout. Bosa na kanyonso. Ata bolam mokote na sela. Vraiment. On commence à te demander ça. Motu na yo kan sata mokote. Les trahisons. Bosulami.
de trahison. Soulani. Tu fais entrer la corruption dans ton entreprise. Au Bossani que quand tu n'étais rien, ce patron-là, patron, il t'a donné une chance à Zio Namoussala pendant que d'autres entreprises, ma personne qui a été interviewée. Vraiment. Tu vois, au moins, non. C'est pas possible. Et ça, ma bon matin. C'est pas possible. Au ça, matin. Au Congo, tout le monde est mal payé. Na Congo moto nyoso bafuta ke malamu te. Na moto azo a 5000 dollars na fin du mois bafuta ke ka bien te. Mm. Quel pays? Mboka ndeni nyo. Tout le monde est mal payé. Moto nyoso lo baka bafuta ke bien te. Personne n'est bien payé. Moto nyoso. Balam. Balam. Tu oublies tout. Bosa na nyoso. Deuxième chose. Et lo ka mi balé. Balam est une personne dont le cœur reste insensible. Même face à une démonstration de la puissance de Dieu. Balam aza moto moté manaye et mimamakate ataliboso yanguya to ya bifo nanzambe. Son cœur reste insensible. Moté manaye ezo mimamate. Même face à la démonstration de la puissance de Dieu. Ataliboso ya botali sami yanguya nanzambe. Son cœur reste insensible, même face à une démonstration de la puissance de Dieu. Écoutez, Yoka, c'est un miracle. La nièce est en train de parler. Hein? Hmm? Aujourd'hui, Bampunda Bazate, Ozanawewa, Moto. Hmm. Tu vois? Tu dis, oh? Mais regardez Balaam. Qu'est-ce que tu as Balaam? La nes Mpunda commence à parler. Abandi koloba. Mais. Kasi. Et le belé l'autre. Ça lui dit rien. Et le belé l'autre. Il continue avec ses objectifs démoniaques. Nami tono naye yabozabolo. Loko le siya yinayo aina o kaka. Donc, même si Dieu fait quoi avec toi, il va refuser. La nèce est en train de parler Balaam. Ça ne se fait pas. Un miracle vient de se produire. Et la nèce est en train de parler. Pour Balaam, c'est une chose ordinaire. Cette génération, écoutez, le signe. Il est beau. De la malédiction dans un pays, c'est l'incrédulité dans une génération. Quand tu vois une génération incrédule, ça veut dire qu'il y a la malédiction sur le pays. Malédiction. Comment une génération qui ne croit jamais même lorsque Dieu fait le prodige. Quand Dieu fait quelque chose de grand. Lui, il critique. Cette génération-là. Il faut tuer cette génération-là. Une génération incrédule. Et que tout ce que Dieu fait. Pour lui, c'est rien. Pour lui, c'est rien. Pour lui, c'est rien. Quand Dieu élève quelqu'un, Moutouna poussière, a commis Moutoumounen, la seule chose qu'il dit, et l'homme à l'obara, bah qui s'assimile dans le commerce, vraiment. Oh, Punda lobby, pour toi, pour Nayo, tu dois donner cette gloire au diable au lieu de donner à Dieu. Une génération où quelqu'un réussit dans son commerce, c'est le fétiche. Quelqu'un, Dieu ouvre des portes à quelqu'un. Donc, Satan a quand même la batouma. Vraiment. Dieu ne fait pas. Une génération incrédule. Ils ne croient jamais. Pour eux, Dieu fait que des choses normales. Le jour où tu es béni, tu seras surpris. On te verra plus dans des églises, on commencera à te voir dans les loges le jour où tu es béni. Tout ce que tu touches, on interprète ça.
une génération incrédule. Ils voient la puissance de Dieu. Mais ils veulent accorder cette gloire aux hommes. Ils veulent accorder cette gloire à Dieu. C'est un signe de malédiction. Il faut sortir de cette génération-là. Sortir de cette génération-là. Tu vas à l'église. Bon, après ça, tu vas à l'église. Et ce qui est grave, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Ami benga mon bishop. Mais tel niveau ya bassesse. Il dit soba to ba koyi na église après bazwini. Je lis dans la Bible. Na tangi na Bible. Adam qui était seul. Kwaza ki la Bible dit. Bibelo bi il n'est pas bon et que l'homme soit seul. Mobali azala emo. Le Seigneur a utilisé sa puissance. Il a libéré l'onction sur Adam. Adam est tombé. Il a dormi. Quand il s'est réveillé, il a constaté que l'homme est dans un jardin. Tu entends ça? Ça veut dire il a fallu une puissance, une dose d'onction et sur Adam. Nguya moko et pime le moko et pas quoi l'icolo Adam. Pouf, Adam. Gala moko Adam a payé. Alali. On ne sait pas Alala qui pendant combien de temps. Pébite Alala. L'onction l'a endormi. Et pas quoi la puissance l'a endormi. Nguya et la il est tombé. A paya qui. Et c'est quand il s'est réveillé. Les atteints ou à télémaki. Il a constaté. A sosoli. Ce qui manquait dans ma vie. Oui, ben, le Seigneur vient de le donner. Kolo, aouti, kope, sayango. Tu penses vraiment? Adam quand il s'est levé. Adam tant la banjo mon a cicatrice dans zoto, non? Il s'est vu normal. Ami mon eka nenge azalaki. Tu vois? Omoni. L'onction. Et pas quoi? Il ne faut pas juger l'onction par rapport à la démonstration. Et singite kotala. Et pas quoi? Il faut juger l'onction par rapport aux conséquences. J'ai connu des gens idiots, ils reçoivent l'onction, ils deviennent intelligents. Na mona bato o bazaka bazoba ayame pa kwa komi mayele. Lorsque l'onction est libérée sur toi, la chose qui manquait, c'est la chose que Dieu ajoute. Tu comprends ça? Oso solango. N'écoute pas celui qui dit. Koyo kate wasoloba apo tango okoyaki ozwini. Ozwini. Tango na koyi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout ce que je sais, dans mon jardin d'Éden, quelque chose vient de s'ajouter. C'est tout ce que je sais. Oh, quand tu as parlé en langue, après je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, quand je vais me réveiller, je vais remarquer dans mon jardin quelque chose vient de s'ajouter. C'est tout. Croire à la puissance de Dieu. Les gens tombent. Adam aussi était tombé. Oh, s'il parle en langue, il parle en langue. Les apôtres ont parlé en langue. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner qui n'existe pas dans la Bible? Dans la Bible, Adam est tombé par l'onction. Il s'est endormi par l'onction. Et quand il s'est levé, il y a eu Ève dans sa vie. Il existe des gens dans ce pays qui doivent se taire. Ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous enseigner. La Bible nous dit tout. Je crois en l'onction. Je crois en la puissance de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand je parle en langue, quand je tombe, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce qui manquait, c'est ce que Dieu me donne. Lorsque quelqu'un veut te mettre mal à l'aise, dis-lui, Adam aussi était tombé comme moi je tombe. Les apôtres aussi avaient parlé en langue comme moi je parle. Il faut leur dire ça.
Jésus aussi, quand il a reçu son baptême, le ciel s'est ouvert. Dis, je crois à la démonstration. Je crois à la démonstration. Dis, je crois à l'onction. Je crois à l'onction. Dis, je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Dis, cette génération est une génération de puissance. De puissance. Est une génération, d'onction. Dis à autre fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand je ressens l'onction. Quand je ressens l'onction. Tout ce que je sais. Tout ce que je sais. Lorsque je me relèverai. Lorsque je me relèverai. Dans mon jardin, la chose qui manquait, va exister. Église du Congo, laissez-moi vous enseigner. Dieu m'a envoyé dans cette génération pour ça. Pour vous dire ce genre de choses. N'écoutez pas ce qui minimise la puissance de Dieu. Dans ces pays, quand tu vois des gens inutiles comme nous, ça veut dire Bunda Bandi déjà Koloba. Quand tu vois Moutouazala qui pamba, Zamba Zui a tombolié, a quitté Sima Misusu, Bunda Bandi déjà Koloba. Bunda Komioloba déjà. Quand tu vois des gens sans expérience, Nzamba Zui Bango, Aponye utilisé Bango, ça veut dire Bunda Bandi déjà Koloba. Dans mon pays, la NES est déjà en train de parler. Bunda Siabandi Koloba. Mets-toi. Fanda. La NES parle. Bunda Zoloba. Bato il fallait ba vanda kimia ne batu nzamba komi kozwa bato ba yebi français te azana diplôme te ne batu nzamba komi otsombola bato bazanga tina autina famille zanga komo ne batu nzamba komi kozwa abanzi otsombola bango la NES est en train de parler funda zoloba. La NES est en train de parler dans ce pays. Ce sont des signes. Tu verras beaucoup des hommes très qualifiés. Ils vont continuer à multiplier des erreurs. Lorsque tu vois ces signes-là, comprends. Il y a quelqu'un que je dois remplacer. Reçois l'élévation au nom de Jésus. C'est ça cette génération. La NES de Balaam est en train de parler. Des gens inutiles sont des gens qui seront remplis de dons spirituels. Des gens qui viennent de nulle part. Des gens qui viennent de nulle part. Je suis en train de prophétiser sur ce pays. Quelqu'un viendra de nulle part. Ce n'est pas celui que vous voyez. Il viendra de nulle part. Et le Seigneur va l'élever. Parce que la NES est en train de parler. Il viendra de nulle part. Je te dis comme un prophète. Si tu ne crois pas à ça, laisse un peu de temps. Tu verras. Il viendra de nulle part. Ce n'est pas ceux qui font de bruit ici. Il viendra de nulle part. La NES est en train de parler. Des gens inutiles. Des gens sans histoire. Wapio.
Manifeste-toi où es-tu? C'est cette génération. La génération de la naissance. On parle. Cette saison, la parole est dans ma bouche. Cette saison, la prophétie est dans ma bouche. Cette saison, le miracle est dans ma bouche. Cette saison, la parole est dans ma bouche. Cette saison, le miracle est dans ma bouche. Cette saison, le changement est dans ma bouche. Cette saison, l'élévation est dans ma bouche. Je vais parler. Et il y aura des miracles. Je vais parler. Les portes vont s'ouvrir. Je vais parler. Les morts vont rester. Je vais parler. Et les choses changeront. Mais toi, Fanda. Des gens sans importance. Bato bazangatina. Tu as une histoire, tu sais. Autour d'une entreprise, on a une piste. Moutouté. Papa, tu es maman. Naïe, kakaboye. Zamabanzo, tombolanga. La naissance est en train de parler. Pounazoloba. Et tu constateras une chose. Dans cette génération. Plus Dieu t'utilisera, plus il y aura des gens pour te critiquer. Des gens pour te frapper. Lorsque Dieu utilise la naissance, Balaam frappe la naissance. Lobe zalanango bongo. Lobe bandi le lote. Sonzamba komi osali la punda. Balaam il faut beta kaka. Lorsque ton temps sonne, Balaam cherchera à te frapper. Balaam a reluqué bête à yo. Au moment où tu mets ça en abango, comment ils deviennent méchants? Balaam a reluqué bako mi banguna. Tu dis, oh, yéto. Vraiment. Je ne le reconnais pas. Non, ce sont les autres. Tu vois, il fallait soutenir. Tu dis, naïepe. Si tu vois ceci, ne pleure pas. C'est ton temps. Dieu a placé la parole dans ta bouche. Parle. Loba. Malobeza na monoko na yo. La parole. Maloba. Quand tu entres dans une réunion, tango koti na réunion moko. La personne qui dirige. La personne qui prend la parole, c'est lui le boss. C'est lui qui a la parole, yende a le pouvoir. Yende oh non. Oh là là. Aujourd'hui, je parle bien. Moi-même, je dis amen, amen. Amen, amen, amen. Celui qui a la parole a le pouvoir. Dans une réunion de famille, c'est le chef qui parle. Celui qui a la parole a le pouvoir. Cette saison, le Seigneur prend le pouvoir. Pas tout sans importance. Pas tout basant à histoire. Pas tout mon qui les comprend. Pas tout mon qui les paie sa chance. Ne pisoyo. Zamba zinguya. Aéko pesa. Nasala nini. Non, ça l'est la saison. C'est mon temps. Loba, c'est mon temps. C'est mon temps.
Que Dieu te donne la parole. Zambe apeso maloba. Sur tes adversaires. Liboso. C'est que toi tu vas dire. C'est ce qui va se faire. Au nom de Jésus, reçois-le. C'est que toi tu vas décider. Personne ne va changer ça. Ça restera comme ça. Toi qui es inutile, toi qui es rejeté, toi qui es affaibli, toi qui représente rien, toi qui es rejeté, toi qui es mis de côté, on a dit de toi que tu ne feras rien dans ta vie. Laisse-moi te parler. Ce sont les hommes comme nous, les hommes comme moi et toi. Le Seigneur aime nous prendre dans la poussière, nous élever, afin que la gloire lui appartienne. Je suis créé pour la gloire de Dieu. Je viens du néant pour la gloire de Dieu. Je viens de rien pour la gloire de Dieu. Je suis sans expérience pour la gloire de Dieu. Je suis l'ânesse de Balaam. Nazampunda ya Balaam. Dis, je suis l'ânesse de Balaam. Je suis l'ânesse de Balaam. Sans importance. Sans importance. Mais c'est moi. Mais c'est moi. Que Dieu a choisi. Que Dieu a choisi. Bako inayo pamba. Bako bundiso pamba. Pamba. Ceux qui ne comprennent pas. Bon, bah, ce soir. Et que la décision pour ta vie n'a pas été pris par le chef coutumier. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Nangwe biso muto alona nzete ndali akamanga liboso. Qui a dit ça? Nalo babongo. Qui? Nani? Oh nga nyoka madoyo yo so nyoka mbi batufu ba sepelate. Mets-toi. Fanda. N'aie pas l'esprit de Balaam. Kozala na molimo Balaam te. Quand Dieu agit, tant on s'ambassali, il critique. Ye autonga. La puissance de Dieu pour lui, c'est une pierre d'achoppement pour lui. Il va dans une église, il voit la délivrance, il dit, oh, t'as spectacle. Peut-être des pierres botama, azakana maladi wana. Vraiment. Zamba sungi. Aïe na église. Abiki. Yo obengango spectacle. Vraiment. Attends, mouté maman la moumoukie. Balaam. Moutoua souffrir vie mobimba. Aïe na Bethel. Na maté à la réserve. Vie na échangé. Yo ben en mon spectacle. On dit makate. Ah, Balaam. Ce n'est pas du spectacle. Et ça, spectacle était. Même si c'était du spectacle. Attention, c'est un spectacle. Les conséquences sont réelles. La conséquence, c'est un solo. Les témoignages sont réels. Ma tatouille, c'est un solo. Beaucoup Mingi. Qui se disent leaders oh, mais ils doivent passer à la télé demander à l'église pardon. Et ils
Ils doivent demander pardon à cause de leurs enseignements. Ils ont mal enseigné l'église. Comment toi, un homme de Dieu, tu peux dire, se reparler en langue après ce que Dieu nous avait promis, le Saint-Esprit est venu. Aïe, yo critiquant. So olingini, hein? Tu veux quelle église? Olingini église andine. Il y a des gens que je cherche à comprendre. Il y en a bateau dans le canal sous la bango. Mais j'arrive pas à le comprendre. C'est n'importe quoi au sous la bango. L'église était en train de vivre une crise. Église, maintenant l'église attend moi beaucoup aussi. Dieu a élevé des gens. Ça m'a tombé les bateaux. Toi tu n'es pas content. Yo c'est pelaté. Donc tu veux que l'église continue caca. Vraiment. Non. Quand n'engagez la joie. Hein? Vous continuez à Kuna. Je cherche à comprendre ça. Quel esprit anime certaines personnes? Quel esprit? L'esprit de Balaam est en train d'agir dans ces pays. Et ça, la makasi na mboko yo penza. Tu vois quelqu'un à ton ami, Azaki n'a pas, Aouti n'a famille à pas, Zamba Kaniselie, Zamba Fongole Lieport, tu vas dans les quartiers comme Yokis. Oh, Asimbi. C'est dommage. Donc comme ça. C'est dommage. La passe. Un jour, j'ai reçu une femme dans mon bureau. Mokolo moko na mbaki mama moko na bureau nanga. Qui me parlait. Ana lobelanga. Elle a dit, pasteur, tel que tu me vois, passe no mon nanga wa na sali ba science nyonso. Ya kindoki. Tu vois? Moni. Na tunye tu as quel âge? J'étais avec Baron dans mon bureau. Baron, tu as quel âge? Oui, en Boulogne. Abi, j'ai 35 ans. Ok? Ok. Abi, ça va. Attends, il y a science sur ça là. Et qu'il y a 10. Tu vois? Mon ami. Sorry. Donc, il y a science sur la science. A Komaki, l'Ikolo. Oui, il y a science sur la science. A Koma, l'Ikolo. A Koma, l'Ikolo. Moi, tel que vous me voyez, aujourd'hui, ce que je suis, pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui, j'avais 6 mois. Écoute-moi, j'avais 6 mois. Donc, j'ai pris depuis 6 mois. Depuis six jusqu'aujourd'hui, mois. Jusqu'aujourd'hui, pour que je devienne ce que je suis. Maintenant, elle a 35 ans. Il a 35 ans. Bon. Tu as abandonné la science, tu as 12 ans. Bon. Ce que vous avez combien d'années dans la science, pour que vous êtes chef? Tu vois comment il faut réfléchir? Mon dernier, c'est une bande. Donc, la science, c'est un côté comme chef alors. Je suis un côté comme pasteur alors. Parce que la science 10, si tu calcules 10 sciences, on a 35 ans. Asali, combien? Na katia science moko. Combien? Bah 3 ans, hein? Bah 2 ans. Sikoyo, donc à côté asali 2 ans, a komi mokondi. 2 ans, a komi mokondi. 2 ans, vous voyez comment les gens sont des aventuriers. Mon deni ba tuba ba tamaseki. Attends, na ba kisi. Moi processus c'est à la kati. Vraiment.
Okotika maman okomi chef olungwe a ok a okoti okomi chef quand tu vois quelqu'un dire Lena boy na sala chance tel na koma kingani na sala chance tel na koma ki chef na kom après na komi skoyo pasteur suri prophète na za dans combien de temps tu as pris dans chaque science pour être élevé. Moi, ça m'a pris toute ma vie. Toi, ça t'a pris combien d'années? Moi, c'est toute ma vie. Pour que je devienne ce que je suis. Toi, dans les sciences, ça t'a pris combien d'années? Tu voyais depuis combien d'années pour que tu commences à parler? Tu as combien d'années dans l'église pour que tu commences à t'élever et parler? Pour que tu parler. Église du Congo. Église à Congo. Grandissez. Tokola. Grandissons. Voilà. Réfléchissons. Tout banza. Que la tête tourne. Moto et salanam. Que la tête tourne. Moto et sal. Que la tête tourne. Moto et sal. Que la tête tourne. Moto et sal. Réfléchissons. Banza. Moi, ça m'a pris toute ma vie. Pour que je devienne aujourd'hui une bénédiction pour toi. Maintenant, lui qui a tout fait dans la vie, ça lui a pris combien de temps? Pour comprendre les choses que je t'enseigne aujourd'hui, ça m'a pris toute ma vie. J'ai donné toute ma vie, mon enfance, ma jeunesse, tout. Pour devenir ce que je suis. Lui, ça lui a pris combien de temps? Dieu est un Dieu de miracles. C'est bien. Mais il y a des choses avec Dieu que tu ne comprendras pas par le miracle. Tu comprendras en marchant avec Dieu. Ça te prendra beaucoup de temps. Beaucoup le parcours avec Dieu. Ça peut te prendre toute ta vie. Ouvrez les yeux. Font la messe. Ouvrez les yeux. Font la messe. Et puis, si on a fait le fétiche ensemble, des autres ça là qui c'est long. Il y a à tout moment maintenant qui s'y prend. Vraiment. Bon, on a si qu'on n'a pas qui s'y n'engage à tout moment, n'a pas moi. Sauf toi ne loge mon corps. Ça veut dire toi n'engage à mon corps. Son ngango makasi ngange simbi pananga ke pana ye pana yende simbité simbité parce que so to ananga moko il faut ba mona biso to to matapende moko nenge moko. Moi je suis élevé, je suis béni. Ngana to mama tu m'as élevé dans ce pays que tu aimes, que tu n'aimes pas, tu m'as élevé. Nzama pambolanga atombolanga. Il faut que l'église grandisse. Et Seigneur, tes ecclésia écola. Oh. Toi, tu as un résultat de mon tende. Vraiment. Donc, c'est que tu as respecté Bikilate. Hein? 3e chose, je vais finir. Et le camisa, tu as un sou qui ça? Balaam, c'est une personne qui choisit souvent le mauvais camp pendant une période de crise. Balaam, c'est celui qui choisit souvent le mauvais camp pendant une période de crise. Il choisit souvent le mauvais côté. Regarde, il y a une période de crise. Il y a Israël. Et puis les ennemis d'Israël. Il voit bien que Nzambe, Israël. Tu vois? Mais lui, il va choisir le mauvais côté. Il fait alliance avec la mauvaise personne. Au lieu de faire l'alliance avec Israël, il y a qui fait l'alliance avec Balak. Vraiment. Tu vois? C'est ça, Balaam. Il fait alliance avec les mauvaises personnes.
Parole de sagesse. Lorsque tu fais une mauvaise alliance, tu combattras ce qui est bien. Note ça. Lorsque tu fais une mauvaise alliance dans la vie, tu vas combattre ce qui est bien. Regardez l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Toute sa vie, il combattait l'église. Avant de connaître Dieu, il combattait l'église. Pour une seule raison. Oh, je ressens l'onction. Mon Dieu. Il combattait pour une seule raison. Il était dans le judaïsme. Tu vois, il était en alliance avec une mauvaise religion. Voilà pourquoi il combattait l'église. Lorsque dans la vie tu fais alliance avec une mauvaise personne, le bien sera ton adversaire. Dans le livre de Matthieu 14, la Bible parle du roi Hérode. Le meurtre de Jean-Baptiste. Il a tué Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode avait une femme. Il a fait alliance avec une mauvaise femme, mon Dieu, sans effet dans ma vie. Sans effet. Pardon, loin de moi, Satan, arrière de moi. Pars, au nom de Jésus, pars. Fuis, mère, disparaît, entre dans la tombe. Loin de moi. Pars. Kende. Sors de mon église, pars. Mon église, kende. Va, Bounia. Kende. Va à Butembo. Kende na Butembo. Que je te rencontre pas. Kenata na Rwanda. Hérode. Un roi bon. Mokonzi moko ya malamu. Il aimait beaucoup Jean-Baptiste. Abane ko linga mingi Jean-Baptiste. Il croyait en Jean-Baptiste. Abane ko ndimela Jean-Baptiste. Il a épousé une femme. Ye abali moi simoko. Yoka kombonae. Hérodias. Hérodias. Il a fait alliance avec Hérodias. Ye asali bolunga nina Hérodias. Hérodias n'aime pas Jean-Baptiste. Alingaka Yohani mobatisite. C'est un couple. Eza likwela moko. L'homme mobali croit au serviteur de Dieu. Andimelaka moto na nzambe. La femme moi si ne croit pas. Andimate. Maintenant sika roi Hérode, anniversaire naï. Comment Hérode, anniversaire naï? La fille d'Hérode. Moi, na moi si Hérode. La princesse du royaume. Moi, na ya mokonzi. Elle est entrée dans la salle de fête. Kotine sika li pati. Elle a commencé à danser. Abandi kobina. La Bible dit. Bibe lobi. Le roi Hérode, quand il a vu sa fille danser. Mokonzi Hérode tanga moni moi na naï kobina. Il était tellement heureux. Ye asaki penza na sai. Il a appelé sa fille. Abengi moi na moi si. Na c'est moi nanga. Parce que tu as dansé. Parce que mon cœur est touché. Demande-moi tout ce que tu voudras. Comme les filles sont attachées à leur mère. Pourquoi vous n'êtes pas attaché à papa? Toi tu es attaché à papa, c'est bien. Elle est allée demander conseil à Hérodias. Et pas à Hérodias. Hérodias dit, Hérodias alobi, zonge pa tata na bino. Eh, yevsae. Kobina na bino ya pambate, pianga mutu ya Jean-Baptiste. Ah. La fille est rentrée. Moi na moi si azobi. Papa est. J'ai dansé, tu m'avais promis, tout le monde a écouté quand tu as promis. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Pesanga moto ya Jean-Baptiste. La Bible dit, Bibe lobi. Roi Moko l'anniversaire né et Sengonyo Cécile. Sili. Il est devenu triste. Akomi na mawa. Je vais faire quoi?
Nasi na lakaki. Nasi na lakaki déjà. Le roi a envoyé. C'est comme ça que les grands Jean-Baptiste. Ndeboye ba Jean-Baptiste Aminene. Cet homme qui a été envoyé pour préparer les chemins pour Jésus. Moto atinda maki pona kobongisa nzela ya Yesu. C'est comme ça qu'il a été tué. Ndeboye ba bomaye. Baboma était au akende koluka bitumba non. Baboma est bongo. Baboma est bongo. Vous voyez? Moni. Le roi Hérode. Comment Hérode a fait alliance avec Hérodias? Il a salaka bolonga nina Hérodias. Et c'est comme ça. Ndeboye. Qu'il a combattu les biens. Abundisaki. Sans le vouloir. Na bozangi kulingango. Quand tu fais une mauvaise alliance dans la vie. Tango sali bolonga na mabe na bomoi. Tu vas combattre ce qui est bien sans le savoir. Je m'arrête ici. Dieu te bénisse.